Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Branché Info 9, c'est l'émission Chita, attendez nouvelles, ça qui est entré la caillou. Moi, c'est Bet Info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. Gros drame dans la ville au Cap-Haïtien, habitant dans Fort Saint-Michel, les Véjouen à hier 1er octobre. Là, 4 membres de une seule famille mouru dans une caille. Il y a un 5e membre de famille lui-même, eh bien, qui pas possédé tête lui. Eh bien, il a été mené à l'hôpital en urgence. Gagné tout petit garçon Joseph Lambert, Bradley Lambert, monsieur Sibi un gros attaque armée dans zone Matissan avant hier soir. Pendant que j'étais dans machine, il a traversé zone ça. Donc petit garçon Joseph Lambert, Bradley Lambert, il gagne la vie sauvée. Eh bien, c'est grâce avec machine qui était blindée, d'après sa papa le déclaré sur compte Twitter, il dit, eh bien, machine a recevoir au moins 10 gros impact balles sur toute col. Donc, c'est grâce avec machine qui était blindée, eh bien, Bradley Lambert, ce petit garçon Joseph Lambert, arrivé, gagné la vie sauvée. L'autre information gagné membre et bien comité suivi déclaration 21 d'août la lui-même qui mandait population à hier pour que tout secteur dans société a pu rassembler force pour que yo capable préparer transition après président Jovenel Moïse actou pour yo capable et bien combattre dictature président Jovenel Moïse sorti pour le mettre dans pays d'Haïti d'après ça Evelyne Trouillot fait qu'on est. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, avant de nous rentrer dans l'information, comme d'habitude, nous avons invité vous à brancher, continuer à abonner à canal Information sans force côté de manière à ce que nous soyons capables de continuer à porter bon gens information frais, clair, coup de l'eau pour ou même qui abonnez déjà, nous remercions et ou même qui beaucoup abonné, nous avons invité vous à abonner de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie. La privée joue nous de façon automatique. Jean nous annonce au lit, auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, eh bien, gros drame dans la ville au Cap Haïtien, habitants dans Fort Saint-Michel, dans la rentrée S, ville Cap Haïtien, les rejoignent à hier matin, hier 1er octobre, là, eh bien, 4 citoyens mourir dans une seule caille, qui sont membres d'une seule famille, mourir dans une caille. Et bien, gagné un 5e moun qui lui-même te potel, disons li, et pas potel bien du tout, li pas capable de parler, yote, li pas possédé tête li, pas gen nom ni sou li, et bien, yote transporté li l'hôpital pour que li tal recevoir soin cal mérité. Donc, parmi 4 moun sa yo qui mouri yo, gagné 3 femmes avec un garçon. Donc, j'en ai dit li, eh bien, personne moun pas arrivé connaît dans qui condition, eh bien, 4 moun sa yo, dans qui circonstance yo pedi la vie yo. Gen moun nan voisinage victime yo qui yo même pas écarté possibilité, eh bien, c'est ta assassiné, yo ta assassiné, eh bien, moun qui pa yo pas identifié ta assassiné yo nan kay la. Cependant, c'est juge et suppléant tribunal de paix, eh bien, et section CID, dans la ville au Cap Haïtien, qui lui-même, il est maître Max Arnoux et Saint-Just, qui lui-même t'a fait constat légal, cadavio, eh bien, qui t'a gagné, qui t'a commencé ou même gâté. Donc, nous invitons à écouter Alex Garçon et avec Myrlène Louisin qui yo même ses grands frères avec cousine Harold qui c'est Youn Harold Garçon qui c'est Youn nan moun qui mouri yo kap di qui ça yo connaît qui information yo gagné de événement ça qui passé nan ville au Cap Haïtien dans quartier Fort Saint-Michel. Il dit, la serré la wall, il pas qu'à la wall, il est madame, il pas qu'à la dame. Pour entrer, d'ailleurs, moi, je la ville, c'est la queue de Il dit, il faut entrer pour venir nous faire enquête, nous voulons nous voir. Je suis entré, c'est pas de mourir, il est, nous faisons à quoi? Nous t'attendons à assassiner là. Il dit, papa, nous avons une opinion, nous n'avons pas qu'à dire comment le mourir, comment il va faire mourir. Il dit, nous ne connaissons pas.
nous battre là, je serai les nous, parce que depuis dimanche là, moi-même personne ne me danse dans ma veille, non lundi soir, il parlait ensemble avec une grande soeur. Il parlait, c'est à partir de mardi, grande soeur a dit, la prêle dans le téléphone, il n'y a pas qu'à joindre, il est fini ensemble avec là, dans le téléphone, il n'y a pas qu'à joindre. Tout hier, les cousines n'ont rien pu dire, la prêle est fini dans le téléphone, il n'y a pas qu'à joindre. C'est à l'heure, après, je cherche un petit monde à l'école, et puis il me dit, dégage, je viens de joindre, il y a, il y a, il y a, dit, tassan, il y a, dit, ah, on mourit, nous juste souhait cadavre en dedans. Juge répète que tu as fait un constat. Nous ne connaissons pas qui ça constat a dit, qui ça pas dit, nous avons un cadavre en dedans. Toujours question insécurité. Eh bien, gagné Bradley Lambert, jeune garçon ça, qui gagne 22 l'année, qui c'est petit garçon, eh bien, ancien sénateur Joseph Lambert, eh bien, Sibi, un gros attaque armée avant hier. Disons avant hier soir dans Matissan pendant l'étape traversée zone si là dans machine ni. Donc c'est ancien sénateur Joseph Lambert lui-même qui eh bien confirmé nouvelle là dans un post li fait et sous adresse Twitter côté li fait connait petit garçon et Bradley Lambert rivé gain la vie sauvé c'est grâce avec machine ni qui était blindé. Donc d'après Joseph Lambert, eh bien dans tweet li fè a machine nan recevoir pour pipiti 10 gros impact balle sous toute col. L'autre information qui gen à revoir avec insécurité, eh bien c'est commissaire gouvernement et Port-au-Prince maître Ducarmel Gabriel qui annonce une opération li rele opération sans prend souffle li pral déclencher là nan prison yo qui plein jouk nan kou et mais avec moun qui pa jam wè juge naturel yo. Donc gagné li annoncé gen audience correctionnelle et spéciale qui pral fait chaque jour pral gagné tout assise criminelle sans assistance jury et bien qui pral fait pour combattre sa relé et bien détention préventive prolongée dans prison. Nous invitons à goûter maître Ducarmel Gabriel. Nous lançons opération que nous baptisons opération sans prend souffle qui pral permettre que nous désengorger prison parce que n'a rappelé que tribunal là son composition que lié gain juge gain ministère public gain greffier gain huissier. Donc si gain youn qui fait défaut et ça automatiquement infirmé tribunal. Donc désormais nous décrétons la permanence. Des audiences correctionnelles spéciales seront organisées quotidiennement et même les samedis. Les dossiers seront acheminés le même jour au cabinet d'instruction et quant aux prévenus, ils seront déférés sur le champ au tribunal correctionnel selon le vœu de la loi du 6 mai 1927. Nous allons organiser des assises criminelles sans assistance de jury en vue d'évacuer certains dossiers. Et chaque commissaire gouvernement vient pour remettre nous mensuellement 8 réquisitoires définitifs. Donc nous mettons sous pied tout une cellule de détention qui pourra visiter prison et cellule de détention ça a gagné pour l'étudier et analyser cas par cas les différents dossiers et faire nous des recommandations. Parce que nous devons commencer dès demain pour question audience correctionnelle. Mais demain, il y a une assemblée générale au niveau de Baroua. Donc, c'est-à-dire qu'on dispense de plaider. Ensuite, lundi, c'est réouverture des tribunaux. Et je pensais qu'à partir de mardi, on a commencé d'emblée avec les différentes audiences. Juge Renaud Régis tendait une autre fois encore policier Jean-Pascal Alexandre, lui-même qui était la gueule vendredi passé. Donc, après le fin tendel, eh bien, et policier ça, qui lui-même, c'est membre et agent et BLTS, Bureau et Lutte Anti-Stupéfiant, avec tous les membres et groupe policier qui est les Fantômes 509, eh bien, et Maître André Michel, qui lui-même, c'est avocat Jean-Pascal Alexandre, lui fait qu'on est, eh bien, client là, pas gagné pour le retourner et devant juge là encore, il pas gagné rendez-vous pour le tourner devant juge là encore, mais cependant, juge là, car il est policier à n'importe qui l'est, bien pour l'autre et pour l'autre audition. Donc, M. André Michel dit qu'on y a la mené démarche beaucoup de
autorité la police pour que vous capable eh bien et pour Jean-Pascal Alexandre capable retourner dans travail pendant le mandat eh bien policier pour continuer lutte et continuer bataille qui a commencé pour que eh bien condition la vie au changer dans la police. Ça nous invitons côté maître André Michel. Aujourd'hui en état de liberté il paraît devant même juge d'instruction. C'est toute une procédure. C'est tout un processus. Et Jean-Moi te dit nous ça déjà. L'instruction suit son cours, même si Jean-Pascal Alexandre est en liberté. Il répond une question au juge là pour une deuxième fois. Il répond toutes questions que juge l'a posée. Pour nous, j'en ai dit déjà, le dossier de Jean-Pascal Alexandre, son véritable tempête dans un verre d'eau, son dossier vide, son dossier dénoué de tout fondement. Mais comme il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses méchanceté, il faut que tu essaies d'écraser la bataille policière, c'est ça qui fait que tu mettes dans la prison. Je dis à qui fasse noyer. L'instruction va continuer son cours. L'instruction va suivre son cours. Ce n'est pas terminé. Jean-Pascal Alexandre, il va continuer à rester à la disposition de la justice. Depuis que il a besoin, il a bien voulu paraître. Si je n'ai pas besoin, il n'y a pas paraître. Mais l'essentiel, c'est qu'il est à la disposition de la justice. C'est le principe. Il y a l'autre monde qui va attendre. Il faut que vous attendez l'autre monde dans la police. Il faut que vous attendez l'autre monde dans le gouvernement qui t'a fait mentir sur Pascal Alexandre. Il faut que vous attendez l'autre monde qui porte au parti civil. Il faut que vous attendez témoins, si vous avez un témoin, parce qu'il n'y a pas de dossier. De toute façon, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Pascal Alexandre, il est en liberté, il a prêté en liberté et il a prêté disponible pour la justice. Mais ça est fondamental, je vous dis encore. Policiers, dans tout le pays, il faut qu'ils ne quittent pas quitter revendications. Revendications pour rejoindre la priorité. Revendications pour rejoindre l'école pour petit. Revendications pour gagner de meilleures conditions de travail, bon gens salaire, pour vivre dans le monde. Il faut que les policiers continuent à faire ça. Abelson Gounek, le porte-parole du SPNH, qui a été révoqué injustement, arbitrairement, il faut que monsieur retourne dans la police. Bref, il faut continuer le combat. 254,7 milliards gourdes, c'est bien budget ça. Gouvernement République là lui-même l'a adopté en conseil ministre vendredi. Donc plusieurs économistes posaient tête aux questions dans le pays d'Haïti sur possibilité qui existait pour le gouvernement d'atteindre objectif li baye tête li dans le budget ça avec tout qui côté l'agence ça a yo absorti. Dans le nouveau budget ça, eh bien taxe sous question passeport eh bien semblait augmenter encore, la passer sorti 6000 gourdes pour arriver 10000 gourdes et puis gagner tout prix sous question permis conduit type A, type E avec type B qui au même t'a passé de 2500 gourdes à 5000 gourdes d'après plusieurs syndicalistes. Donc, il y a une situation, eh bien, responsable transporteur, unifié haïtien eux-mêmes, ils ont dénoncé, il y a plusieurs syndicalistes qui exigent pour autorité l'État, ils ont baissé prix produits pétroliers sous marché local là par rapport avec dollar qui lui-même, dollar américain, mais qui prend gros frappe devant Goodla. Jacques Anderson Desroches, c'est un responsable mouvement transporteur unifié haïtien. Maintenant, on a parlé sous question un groupe qui est dans le secteur privé. Si je rappelle mon lycée Anapos, sous question pour gaz, station de service, qui menaçait pour fermer pour vous, c'est l'État, par rapport à quoi on gagne, à distributeur, à la DIP, tout le sol, donc si pas si pas répondre à ça. Maintenant, on a parlé sur Pinga, by l'État ici pour nous dire, nous, ça fait si longtemps qu'on a souffert, et le secteur, ça a un secteur plus victime, et je dis à nous, nous, cafou. Nous pas accepter dans la victime encore. Et nous avons de manière officieuse, nous pas officiel là, mais nous, c'est dans le budget 2020-2021. Information qui nous joue nous, t'as assemblé, mon cher ministre de finance là, t'as doublé pour licence. Ça veut dire une licence qui devait faire 2500 gouttes, t'as assemblé passe à 5000 pièces. Un passeport, un passeport de 26000 gouttes, il passe à 10000 gouttes. Et il y a l'information qui a fini toujours. En attendant, il y a un document officiel là, nous présentons la presse.
Donc nous-mêmes, dans le niveau multi-là, toute sa démocratie, ben, nous comme voisins moyens pour nous battre, nous utiliser, certainement. Mais nous-mêmes, nous tient à ce que nous avons une véritable information réelle là-même et nous parlons communiquer pays à Salabier. Par exemple, la question de l'AVCT, qui parlait de dommager machine de transport public. Dans le début, on est dans le transport public accident en Haïti, machine de craser net, et même s'il fait un appel à l'AVCT, il va venir à quel dommage. Mais question de la richesse, question de la sécurité, question répression syndicale, tout, nous profitons de la terre pour nous dénoncer ça. Et ça, toute force, nous dénoncer la répression syndicale qui a fait sous syndicaliste pour Jean-Roubert Frère, José Mérillier, qui a fait sous Magali Georges, et tant d'autres encore, nous dénoncer ça au matin. Nous avons dit à tout pays, matin, encore une fois, nous, qu'est-ce qu'il y a à rouge nationale sur la sécurité. Parce que, jour que nous avons parlé, à la machine, nous continuons à débaliser, camper, fouiller, battre, et puis faire aller. Il y a ça, on crase vite machine. Qui est l'autre qui prend balle? Nous-mêmes, nous dit, Abraham dit, c'est assez, nous pas capable encore. Et maintenant, nous avons dit, c'est un cahier des charges de côté par l'État. Parce que nous allons entrer dans une véritable mobilisation réelle et laisser nous faire des démonstrations de force sur tout le pays. Sous le bal du club Bénissois, qui est un membre du mouvement transporteur unifié haïtien, tout y a responsable, il exige pour eh bien, l'État haïtien baisser le prix eh bien, pour les produits pétroliers sous marché. Donc, du club Bénissois dit, il ne pas comprendre pour qui ça, le gouvernement lui-même, il pas baisser le prix et gasoline, alors qu'il dit la travail pour améliorer les conditions de vie. Peuple haïtien. Donc, pour du club Bénissois, eh bien, dollar qui baissait à presque parler 10 en rien pour peuple haïtien, puisque en réalité, pas de rien vrai qui baissait sous marché. Nous invitons à écouter du club Bénissois. Nous avons remarqué qu'il y a un phénomène dollar. Nous avons plaigné parce que dollar a grimpé, monté jusqu'à 125 gouttes. C'est tout à fait normal pour nous plaigner parce que lorsque vous avez gagné 50 000 gouttes dans le monde, il n'y a pas de représenter un rien par rapport à dollar. Je vous dis, lorsque 50 000 gouttes dans le monde, il représente un bagage. Par rapport à un coût dollar. Mais il n'y a pas arrêté sans conséquence. Nous-mêmes, en tant que syndicalistes et monde qui est dans la population, c'est où est dollar continue de descendre. Mais nous connaissons tout. Il faut qu'il y ait une production qui fait qui vous permette que ça, qu'a fait là, il reste stable. Parce que d'un moment à l'autre, vous avez été comme ça, il voltige sans pas connaître. Pour qui ça, même si nous ne connaissons pas ce que ça fait des ans, je veux dire. Pendant la décembre, la vie a presque été même genre. À part que sous du il y a un petit corps qui sorti, sous l'huile, il y a un petit corps qui sorti. Mais chauffeur, yo, propriétaire machine, yo, situation a été même genre. On est pied qu'on achète un caoutchouc machine pour $300 américains, yo, il n'a pas acheté $300 américains. Et si dans le temps, $300 te balle 30 000 gouttes, je vous dis à caoutchouc, ça coûte 40 000 gouttes. Ça veut dire que le bagage qui n'est pas fait, $200, il n'y a pas rien pour chauffeur, yo, il n'y a pas rien véritablement pour la population. Hein. Deuxième cas de gain dans la question de dollars, c'est une question de gaz. Si on dit gagner une possibilité pour gagner baisse qu'a fait sous la vie, comment faire puis gaz arrêter même gens liés dans la pompe depuis lorsque l'argent de 125 ou d'ici l'été comme ça? N'a pas un exemple. L'État ou le gouvernement toujours dit qu'ils ont dépensé en pile goutte pour acheter dollars pour acheter produits pétroliers. Je dis à Fondi combien de gouttes ils ont dépensé pour rejoindre dollars pour acheter produits pétroliers. Trois mois de cela, lorsque 125 gouttes pour $1, un gallon gaz qui dépend 39 gouttes, n'a pas un chiffre, même chiffre là, $39.61, trois mois de cela, ou tu as besoin de 4951 gouttes 25 pour acheter baril de pétrole ça. Parce que je te dis, dollar c'est 125 gouttes. Pour une colle ça pour acheter dollar, un baril là te coûte 4951 gouttes 25. Moi même $39.61, ça aujourd'hui, il coûte 2574 gouttes. Trois mois de cela, $39 américains pour acheter un baril de pétrole, il était évalué à 4951 gouttes 25. Moi même $39 aujourd'hui par rapport à Jean Dollarier, il vient coûter 2574 gouttes. Cela veut dire que l'État a gagné 2376 gouttes qu'il n'a pas dépensé pour l'acheter dollar. Mais s'il gagne 276 gouttes qu'il gagne, il n'a pas acheté dollar encore. S'il prend 800 000 barils pétrole, ça a pu acheter. 800 000 barils pétrole par rapport à 2376 gouttes, l'État n'a pas dépensé. L'État gagne même qu'il n'a pas dépensé 1 milliard 901 281 gouttes qu'il n'a pas dépensé pour acheter pétrole. L'homme prend 3, ça permet l'État n'a pas dépensé 29 250 000 qu'il n'a pas dépensé pour acheter pétrole. Eh bien, si c'est ça lié, pour qui ça gaz n'a pas descendu, je veux dire. Pour qui ça produit arrêter même prix. Entre temps, sous pas descendre, mais faut moi qui ça l'argent a fait.
à garder l'état où tu pour nous. Nous demandons l'état prendre responsabilité. Si on pas fait, nous ça toujours fait. C'est mobiliser tout chose syndical à travers le pays. Tout chauffeur pour prendre conscience que ça n'a pas cabreté comme ça. Même comité suivi déclaration 21 d'août là, eh bien, il est renouvelé hier, jeudi à. Et engagement yo pour yo capable travailler pour joindre un accord national pour organiser et transition démocratique là dans le pays d'Haïti et avec tout question et bien départ président Jovenel Moïse sous pouvoir d'après ça yo dit. Donc yo dit c'est encore une nécessité li vin encore yo nécessité yo dit qui vin pi urgent pour chef l'état quitter pouvoir. Puisque écrivain Evelyne Trouillot, qui c'est Youn, dans le même comité suivi déclaration 21 d'août, l'a dit, l'important, mais pour tout le monde, mettez tête ensemble, tout secteur, mettez tête ensemble, eh bien, puisque d'après ça, le dit, pour que capable de traquer président Jovenel Moïse au pouvoir, qui lui-même, eh bien, voulait établir une dictature dans le pays d'Haïti. Nous invitons à écouter Evelyne Trouillot. Le peuple a fait tout. Souffrance lui a augmenté chaque jour. Sans la couler chaque jour. Et folie dictatoriale pouvoir a développé chaque jour tout. Mes amis, on nous fait vite. Pour nous arriver du tête nous, pays à le monde entier. Mais à quoi, après discussion, à concession, pour bien pays à nous entendre nous souligner et nous entendre forcer tout le monde respecter. Nous saluons les présents dirigeants politiques. En représentant la société civile dans la salle, nous remercions pour le geste symbolique ça, qui montre à clair ce pays qui fait une contre la folie dictature et qui parle pour nous tous défendre l'accord qui va sortir dans la discussion et la proposition qui existait déjà. Il y a quelques haïtiens qui semblaient perdre confiance dans le pays, ce n'est pas nous, nous avons confiance dans le pays. Il y a quelques haïtiens qui veulent mettre division société civile, secteur politique. Ce n'est pas nous. Solution, c'est nous tous qui pouvons porter l'ensemble. Il y a quelques haïtiens qui comptent faire battre sur parole. Nous souhaitons par un groupe comme ça dans l'Assemblée si à cette déclaration 21 d'août. Il y a quelques haïtiens qui semblent ne pas comprendre la dictature capable de aller dans un moment, mais ils ne sont pas. Je dis à ces professeurs méridiens, ces monde qui ont protesté, ces militants dans le quartier populaire, ces entrepreneurs pouvoir raïr pour raison personnelle. Demain, c'est capable n'importe qui monde. Je dis à ces pays qui font opposition contre une dictature qui veut installer. À l'étranger, COVID-19 là, coronavirus là, il frappait chef l'État, pigou puissance qui gagnait. Dans le monde, le président américain Donald Trump avec toute madame ni Melania Trump annoncé yo eh bien et tous les deux infectés en bas maladie coronavirus là ayé et yo fait annonce si là c'est pour raison ça président Donald Trump avec première dame nan Melania Trump mais yo prend disposition yo isolé tête yo mette yo en quarantaine nan Maison Blanche là qui donc COVID-19 là lui-même li eh ben pas fait discrimination entre gros chef avec petit chef ni qui quantité l'argent gagné ni race ni couleur.